Michel Damien a dit que c'était un match couperet, quasiment une finale pour aller chercher l'Europe parce que il a dit en cas de non-résultat là-bas contre de défaite en fait, on sera beaucoup trop loin. Est-ce que vous partagez ça? Bah, en cas de défaite, ça fera 10 points si on perd, et si on gagne, on revient à 4. Contre eux, oui, peut-être qu'il y aura une cassure. Après il reste 10 matchs derrière, il reste encore 30 points en jeu. Il y a beaucoup de points en jeu. C'est un match facile à préparer, à mesure où c'est Rennes, c'est une affiche, c'est en termes de motivation qui est forcément. C'est un match important, on a que des matchs importants là, sur les 11 derniers qui restent. On joue pratiquement que des concurrents. Ils sont juste derrière nous, ils sont devant nous. C'est des bons matchs à jouer, surtout à gagner, pour rester dans le classement. Si on, quoi qu'il arrive, si on veut faire, si on veut rester là-haut, je le répète tout le temps, il va falloir faire une grosse série. Est-ce que quelque part, c'est pas mieux, Michel, d'être outsider, d'être là où vous êtes aujourd'hui? Et de ne pas passer les deux tiers du championnat dans les cinq et se casser la gueule à la fin. Est-ce que finalement, c'est pas mieux d'être en embuscade? On a des ambitions. Après, est-ce qu'on va être capable de le faire? Je ne sais pas. J'espère. Après, on n'était pas programmé au départ pour faire ça. Voilà. On est très content d'être là. Et on va. J'espère qu'on va emmerder beaucoup de monde. C'est toujours un peu la psychose du match à l'extérieur ou bon là il n'y a plus besoin de réfléchir et... Ah ben, il faut jouer, il faut qu'on se lâche, qu'on fasse un match plein. Ou qu'on soit, même sans faire un match plein, mais qu'on soit efficace. Il faut qu'on soit plus solide défensivement et efficace offensivement parce que dans les deux domaines à l'extérieur on est friable. Jusqu'à présent. Il reste 6 matchs à l'extérieur à aller prendre des points. On n'a pas parlé du groupe, mais Pedro Mendes, il sera dans le groupe. Il est dans le groupe, ouais. Il sera dans les 18. Ouais. D'accord, est-ce qu'il est en capacité de jouer d'entrée? Vous verrez. On verra dimanche s'il peut jouer ou pas. Il est en capacité de jouer, bien sûr. Et s'il est dans les 18, c'est qu'il est en capacité de jouer. Sinon, il ne sera pas un groupe. C'est le joueur que je prends et c'est en capacité de jouer. T'as eu des pépins cette semaine ou... Non. Rien de. Non, tout le monde a travaillé. Pas de problème. Est-ce que ça serait un match forcément différent de celui que vous avez perdu à Angers, qui était des équipes qui jouent le maintien, donc qui vous attendent peut-être un peu plus. La Rennes a des ambitions européennes, donc avec peut-être plus de volonté de jouer. Est-ce que c'est des matchs plus simples aussi du coup pour vous? Ils vous offrent plus d'espace? La Rennes, on se doit de, j'espère, de leur rendre, on va essayer de leur rendre la monnaie qu'ils ont fait à la maison. À nous de faire le match qu'il faut. Il faut qu'on soit efficace. Comme ils ont été eux à chez nous. Moins de 72 heures vous séparez l'élimination en coupe du match pour Rennes. Est-ce que tu t'attends à une équipe qui sera encore un peu. Ouais, mais il a du banc pour faire tourner aussi. Après, peut-être qu'il va redémarrer avec la même équipe ou pas. Il a du matériel pour changer. À quoi il faut être très attentif? On jouerait à pas leur laisser beaucoup d'espace. Ils ont des joueurs transition qui vont très vite sur les côtés. Dans le domaine aérien, ils sont bons aussi. Ouais, donc, sur phase arrêtée, c'est un bon tireur avec de la taille, des bons joueurs de tête. On a été puni comme ça au match aller. Faire un truc solide, bien concentré et mettre du jeu pour les déstabiliser aussi. Parlant des forces de Rennes, ils ont pris un quart de leurs points dans les 5 dernières minutes
des matchs où on le sent. Et hier, ils ont perdu. Oui, et hier, ils ont perdu. Non, mais est-ce que c'est quelque chose, du coup, il faut. C'est le football, ça arrive, c'est des séries comme ça. Il y a des années comme ça où des équipes qui plantent à la dernière minute après. Ils n'ont pas fait tous les matchs. Hein. Est-ce que tu as senti, Michel, cette semaine voilà, l'échéance se rapproche, on va rentrer dans la dernière ligne droite. Est-ce que tu sens qu'au niveau de l'état d'esprit, de l'implication, de la concentration, le groupe élève d'un cran tous ces niveaux, tous ces. Oui, et la semaine a été bonne dans l'implication, dans la concentration, dans la qualité qu'il y a eu dans les séances. Après, la vérité, elle est. C'est le rectangle vert, tu es. La compète. C'est la compète qui compte. La compète. Mais sûr, il faut travailler bien, il faut bien travailler la semaine pour se mettre dans les meilleures conditions. Et les joueurs ont bien travaillé. Maintenant, il va falloir le transmettre sur le terrain. La victoire face à Strasbourg, elle t'a soulagé quelque part, quand même. Elle est. Bien sûr qu'elle a fait du bien. Elle a fait du bien dans les têtes à travers une bonne deuxième mi-temps. À travers la meilleure physique qu'on a retrouvée. Beaucoup plus de concentration dans le travail collectif pour récupérer le ballon. Ça nous a permis de mieux l'utiliser derrière. Tu avais changé à cette occasion tes deux joueurs de couloir. C'est plutôt bien passé. Il y avait besoin de renouveler. Les hommes dans ce secteur de jeu. Il y avait de la fatigue pour certains, il y avait des prestations qui n'étaient pas assez conformes à ce que j'attendais. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais dans ce rôle-là. Et ils l'ont fait de bonne manière. Il y a un autre joueur qui est peut-être un joueur en difficulté physiquement, c'est Jordan Ferry. Non, mais c'est normal qu'il. C'est comme TJ, il a mis du temps pour revenir à son niveau. Quand tu joues pas pendant 2 mois, 3 mois, tu perds du rythme. Voilà. Il faut qu'il retrouve un physique adéquat à ce qu'on attend de lui. Et il a fait une bonne semaine, là, il s'est bien entraîné. Il est à même de démarrer un match. Après, à lui d'être plus juste dans ses choix, dans le jeu. Contre Strasbourg, Michel, vous avez changé de style, pas de jeu, mais de coiffure. Ça a marqué tout le monde, alors je pose la question. C'est pas parce que j'avais envie de. J'ai les cheveux courts déjà. J'ai pris la décision de me couper les cheveux complètement. J'étais parti chez le coiffeur pour me faire ma coupe habituelle et puis j'ai pris la décision de couper. Est-ce que quand vous avez gagné 3-0, vous allez refaire à chaque match? Je sais pas. Là, ça repousse. Hein. Comment tu juges la saison de Rouli et est-ce que tu es surpris par son rendement? C'est un très grand gardien qui a une super mentalité. Voilà, c'est un gardien qui pense au collectif, qui ne pense pas qu'à lui et qui est bon dans tout ce qu'il fait. Il est bon au pied, il est bon dans les airs, il est bon sur sa ligne. Tu peux déjà dire que tu veux qu'il soit là l'année prochaine? Après, c'est pas moi qui décide. Après, est-ce qu'on est capable de le garder? Oui, bien sûr que j'ai envie de garder un très bon gardien. Hein. Bien sûr. C'est des postes clés.
sont très importants. Le gardien, le défenseur axiaux, au milieu, attaquant. Les latéraux. La colonne vertébrale est importante. Une équipe. Bien sûr que j'aimerais bien le garder un an de plus, minimum. Et après, on verra. Merci. C'est bon.